Salut tout le monde, c'est Jérôme FPS. Donc là, on est sur Carrefour Sales Simulator et on va continuer notre petite session de vente de véhicules. Donc là, vous voyez que j'ai dormi dans ma maison. Alors, ici, hop, voilà. Donc j'ai dormi dans ma maison. Je ne l'ai pas encore modifié. On va laisser comme ça pour le moment. Alors, objectif, on va essayer d'agrandir le garage dans cette vidéo-là. Mais il me faudrait à peu près 300K d'euros, on va dire, parce que j'aurais que plus que 50 000. À savoir que le premier agrandissement est équivalent à 200K. Donc les 200K, 50K pour continuer, ça ferait un petit peu, ça m'embêterait. J'aurais préféré avoir au moins 100K pour être sûr et certain d'avoir quelque chose qui tient la route hein, et pouvoir racheter des véhicules. Donc là, on est bon. On a des factures à payer en plus, donc on va la payer. On va aller dans la tablette. Voilà, on va aller sur la tablette ici. On va aller dans page web. Facture, on a 1500 à payer. Voilà, donc c'est fait. Donc, pour le moment, on n'a pas de marché. Donc, on va aller en ville. On y va, on va en ville. Parce qu'il n'y a pas de... Il n'y a que le quartier, là, pour acheter des véhicules. Donc, on va essayer d'acheter des véhicules. On va essayer de les revendre. Alors, on va aller custom un petit peu. Alors, comme j'ai acheté la maison là... Apparemment, maintenant, on a directement l'arrêt de bus ici. Alors, ça, c'est une vieille voiture. Oh, je vais me faire écraser. Ça, c'est une vieille voiture, ça ne m'intéresse pas. On pourrait peut-être essayer de négocier le camping-car. Ah, la coccinelle, là-bas. Allez. Donc, le camping-car est à combien 13 000. Ouais, enfin, on pourrait essayer de négocier à 10, on verra bien. On ne va pas être riche avec ça, mais bon. Ah, vas-y, 11. C'est go. Bon. On a quand même négocié. On va le mettre en réparation tout de suite. On va acheter la petite coccinelle, bien sûr. On peut pas la laisser là. Ah, monsieur, combien vous la vendez? 27 000. 25. Voilà, donc celle-là, elle est à nous. On va pouvoir la mettre directement là-bas aussi. Donc, voilà. J'ai encore un véhicule que je vais pouvoir transporter. Donc, ces véhicules-là ne m'intéressent pas. On va aller faire un petit tour là-bas. Ouvrir un petit peu. Ah, ben celle-là. Celle-là, je l'ai bien vendue. Surtout qu'on peut bien l'équiper. Donc, celle-là, je l'ai bien vendue. 58 000, négocié à 55. On verra bien s'il accepte. Ah, il y a pas mal de frais à faire dessus. Donc, c'est bon. Voilà. Et il m'en restera une que je vais pouvoir prendre directement. Donc, ça m'intéresse pas. Alors, il y a une voiture là-bas. Alors ça m'intéresse pas. Là, c'est quoi? C'est un camion, ça m'intéresse pas. Ben, il m'en reste juste une ici. Petite BMW, ça peut être intéressant. Donc celle-là, on reviendra avec. Mais là, combien? 89 000. 89 000. On va voir s'il accepte. 84 000. Moi, j'ai fait une bonne affaire. Alors, on va la démarrer. On va sortir et on est parti. Voilà. J'ai descendu de la voiture. Alors, le but vraiment, c'est d'agrandir le garage à la fin de la vidéo. Avant la fin de la vidéo. Donc là, le conteneur, on n'en a plus besoin. J'ai des belles flammes. Oh, 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 oh. Ouf, bah ça c'est bon. Par contre, qu'est-ce qu'elle glisse? Waouh.
J'ai même rien pu faire. Regardez, hop, elle a pas de frein, rien. Niveau freinage, elle fait peur la voiture. Alors là, je l'ai éteint. Donc, la petite coccinelle, on n'a que 400 euros de réparation. Et le camping-car, on a 640 euros de réparation. Il fallait vite fait en attendant chercher la Mercedes. Donc après, il y a des véhicules, on peut les améliorer, d'autres non. Hein. Ça, enfin, ça vaut le coup de les améliorer, donc non. Démarrage. Par exemple, celle-là, on lui avait mis des gros jantes, peinture et tout. Là, pour le moment, ben, elle a l'air d'être propre comme ça. Peut-être pas besoin de la modifier. Celle-là aussi. La cox, pareil. On va vérifier ici. Vous voyez, on a que 3%. Bon, elle est sale, mais maintenant, on a le karcher, donc on va la nettoyer très rapidement. Après, peut-être pour la vendre un peu plus cher, on pourrait peut-être lui mettre un petit turbo, quelque chose comme ça, on verra bien. Je vais essayer de regarder. Est-ce que c'est possible ou pas? Qu'est-ce qui est possible de faire pour l'améliorer? Ouais, un petit turbo, un peu de noce. Impossible, bien sûr. Suspension, elle est très rabaissée, donc c'est bon. Les lumières, on va les laisser. Les plaques, on s'en fout. Et les roues, on va laisser comme ça. Donc voilà, j'ai juste rajouté turbo et tout. Ça pourrait peut-être me faire une bonne plus-value dessus. Voilà. Donc on va la démarrer. Surtout si je sors, ça sert à rien. C'est bon. Ouf, bah je l'ai endommagé. Pas fait gaffe. Par contre, qu'est-ce qu'elle fume? La mienne, elle fume pas comme ça. Hein. Ah ça, j'ai pas fait une grosse connerie. 61. C'est bon. Alors lui, je voudrais voir qu'est-ce qu'il y a. Ouais, peinture. Par contre, il part en peinture obligatoire. Et là, vraiment. Non, je veux rentrer. Voilà. Alors. J'espère que je vais pas en rentrer dans quelque chose. Donc là, peinture, on va laisser gris de la valeur d'usine. On va le mettre un peu plus dans les gris comme ça. Voilà. Voilà, on l'a fait. Donc là, c'est bon. Celui-là part en peinture. Pareil, c'est bonne fusée. Hein, vraiment. Alors, on va faire attention à rien du côté. Alors je peux pas tourner la caméra, d'habitude je peux le faire là, je peux pas. Voilà, là je l'ai éteint. Donc je vais ouvrir le garage. On va sortir ça. Hop, nettoyage. Ok. Bon là c'est bon, il est nettoyé. Comme il est nettoyé, on va prendre une petite photo. Caméra, photo, hop. On va essayer de prendre comme ça, bien large. Sauvegarde. On rouvre la tablette. On va prendre page web.
On va prendre directement. Voilà, celui-là. Donc là, on l'a acheté 11 000. Je vais le mettre, on va à peu près 12 000, on va dire. 12 000, 20, on va le mettre à 24. On verra bien avec la photo, bien sûr. Allez, test. Est-ce que je vais avoir une touche dessus ou pas? On verra. Après, il y a une peinture neuve. On va en profiter, on va prendre une des deux voitures là, on va déjà la mettre sur le pont. Il y a déjà une touche. Alors, allez monsieur. Voilà. Donc là, hop, 920 de réparation, ça va. Et bon, on a démarré. Alors là, on va faire la vente tout de suite pour voir. Bonjour. Ça marche, je peux pas le vendre en dessous 12 000. Je suis à 16 000 négocié. Allez, je peux te le mettre à 20. Pour voir. Non. 19. Voilà. Donc là, c'est bon. Il est vendu. Donc ici, on va nettoyer cette voiture-là tout de suite. Alors j'ai des points de compétence. Non, j'ai pas de points de compétence. On va sortir la tablette. Nettoyage. Ah, parti pour un nettoyage total. Donc on, pareil, on refait la tablette, photo, on la prend un petit peu plus loin. On va éviter la poubelle, sauvegarde. Donc on va préparer pour la vente de demain. Donc là, on est sur la petite coccinelle, donc la Volkswagen. On va mettre la photo. Là, je l'ai acheté 25 000. Oh, je suis en train de la mettre à 0 €, supprime la vente. On va la mettre à 50 pour voir. On sait jamais, ça pourrait peut-être marcher. Donc, normalement, la Mercedes, il me l'a fini. J'espère, c'est que j'ai pas trop besoin de faire peinture. Ah, si, comme tout à l'heure. Donc, bon, bah, ça va repartir la peinture. Donc celle-là, elle va rester là. Alors, je vais l'éteindre, bien sûr. Elle va rester là. L'autre. Bon, pour pas perdre de temps et d'argent, on regardera demain. Si on trouve une voiture directement dans le quartier, que là j'en ai encore deux et je peux encore en faire venir une. Donc ça devrait être bien. Alors, bah là on va aller dans le quartier, bien sûr. On va aller faire dodo. Donc ma maison, elle est juste en face. J'ai fermé ma porte sur moi. Donc là, hop, on est parti pour dormir. Donc c'est normal. Puisque j'ai acheté énormément de voitures et j'en ai vendu qu'une seule. Donc j'ai gagné, argent gagné, 19 000. Donc comme je vous ai dit, allez, on y va. On va regarder. Est-ce qu'il y a... Ah, ça c'est pas mal. Ça peut se vendre. Donc toi. 23 000. Négocié. 19. Voilà, j'ai fait très bon choix. Voilà. Alors, est-ce que je peux l'envoyer ou pas? Je peux l'envoyer.
envoyer là. Il y a peut-être moyen d'en racheter mon camp. Alors ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Ça là-bas. Non. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Celle-ci se vend bien, mais je suis pas sûr d'avoir assez d'argent. 71. Ensuite, 17 000 négociables. Pas négocier très bas, on verra bien. Ouais, je m'en doutais. Allez, j'augmente de 3 000. Bah 15. Je sais même pas si je vais voir dans les bus. Mais pas dit 13 000. Bon, si. Bon, c'est pas. C'est peut-être une boulette. Et tu vends ça à combien, toi? 45 000? Bah attends, si j'arrive à te le négocier à 40, ce serait pas mal. Ah bah voilà. Allez, on repart. C'est la première fois que je rachète un gros bazar. Ah, ça roule, hein? Franchement. Étonné. Ça roule bien, ça freine bien, les virages je les prends bien. Vraiment étonné. Allez, des enchères aujourd'hui en plus. Moi, je pense pas que je pourrais les faire. Ah, je l'ai tapé. J'ai cru que je passais. Je passe pas. Alors, toi, tu viens ici, hop, voilà. Alors, toi, vas-y, répare. Toi, répare. Donc ça, c'est bon. La coccinelle, il y a déjà des personnes autour. C'est bon. Non, je vais mettre Robert. Ah bien. Donc toi, c'est bon, je peux rentrer dedans. Va falloir faire un beau nettoyage, quoi. En plus, mon garage, il est sale. Oh. Mon cher monsieur. Il a fait 25, hein. Négocié à 40. Allez hop, c'est parti. Un véhicule que j'ai acheté 25. Bien. Alors, maintenant, nettoyage de celle-là. Donc, vraiment, le but est d'avoir 300K pour pouvoir acheter l'agrandissement. Le premier agrandissement. Ça, c'est des voitures par contre qu'on peut faire énormément d'argent. On peut faire beaucoup d'argent avec ça. Alors, ça va partir tout de suite en peinture. En vente, pardon. Alors, on va dégager toutes les photos, sinon j'en aurais trop. Hop, hop. Vous voyez, la Dodge Charger, j'en avais. On va la mettre un peu dans ce style-là. Et go. En sauvegarde. Alors, la tablette. On va vendre ici. On va faire vendre. Page web. Tout en. Bah non, pourquoi je peux pas montrer?
parce que t'as. Dis pas, c'est quoi la voiture? Bah pour moi, de toute façon. Attends, est-ce qu'il me donne la couleur? Merde. Ah, bah c'est bon ça. Elle est là. Alors. 55 000. Allez, on va taper le culot. On va la mettre à 100 000. C'est vraiment un test. Elle part, hein, tant mieux. l'Audi TT, je vais la récupérer après. Et comme j'ai encore le van à vendre, j'ai encore la BMW, j'ai la Dodge Charger, donc j'en ai pas mal. Donc toi, allez, tu vas sortir. Vais juste voir si. Hop. Est-ce que. De la peinture, oui, donc celle-là part en peinture, celle-ci, oh. Oh purée, il me l'a abîmé là, j'abuse. Alors j'ai des personnes sur la Mercedes, on va y aller, non, en profiter si je peux la vendre. Combien j'ai deux personnes dessus. Non négociable. Oh, c'est pas mal. J'ai fait 50 000 là. À peu près. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, vite, 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 avant que la classe elle est prise. Chaque fois, il. Voilà. Alors maintenant, quand on descend du véhicule, ça met le frein à main. Ça, c'est pas mal. Bon, celle-là, elle doit partir en peinture. On va le faire tout de suite, je pense que c'était ça. Ouais, elle doit partir en peinture. Ça c'est bien. Hop. Dans les couleurs, allez, un peu violet pour moi. Moi, ouais, j'ai bien envie de tenter. Faut tenter, faut tenter. Quand même. On va la mettre en vente. On va récupérer l'Audi TT. Hop. Donc petit lavage, bien sûr. Après, on a plusieurs options. C'est si on veut, on peut tout nettoyer et vendre tout en même temps. Mais j'évite de rester avec des trucs. Voilà. Elle est bien propre. Petite photo. Donc là, c'est la chargeur. Donc la chargeur, je l'ai acheté combien? Ici. Donc on va mettre sa photo. Je l'ai acheté. Oh, je l'ai pas acheté grand chose. Hein. Je l'ai acheté 16 000. Je vais la mettre à 30 000. Vraiment voir si on peut faire quelque chose avec ça. Donc le but c'est que là, je vais pas aller racheter de véhicule. Je veux juste savoir si avec tous ces véhicules-là, j'arrive à frôler les 300 000. Si on arrive à frôler les 300 000, on va pouvoir directement hop, hop, agrandir le garage. Donc la BMW, elle est terminée. On va la mettre dehors. Alors pareil, je sais pas celle-là s'il faut faire une petite peinture ou quoi. On va sortir, on va regarder. Hop. Voiture. Peinture, ouais, peinture. Ah, peinture. Après, elle a pas de jante bizarre et tout. Après, je pourrais lui mettre un turbo. Hein. Peut-être, on va peut-être essayer d'aller lui mettre un turbo. Voir si on peut améliorer les freins. Donc restauration, je vais la mettre à jaune. Voilà. Alors au début la peinture elle fait un peu dégueulasse parce que voilà on est elle est sale. Alors ici qu'est-ce que je peux faire? Cher monsieur, on va mettre ça, ça, ça. On va la suspension rabaisser bien sûr. Ah ouais, magnifique. Lumière jaune.
va laisser dans le jaune. Ah, on en a. Et les roues, on va laisser celle-ci. Donc là, c'est bon. On va faire ça et on va monter dedans. On va aller la vendre. Oh purée, j'ai cru qu'il allait me la déglinguer. Ah, je te jure, j'ai vu. J'ai cru qu'il allait me la déglinguer. Ah, 3 personnes intéressées. 30 000. Si vous ne mettez pas sur la table. Oh. Allez, merci beaucoup, monsieur. Alors, on va nettoyer la voiture. Paris Flore, on va bientôt acheter notre agrandissement. Donc, celle-là, elle est propre. Tout est propre. Tout est nettoyé. On est parti pour la photo. Pareil, on va la mettre comme ça. Après, c'est un peu des couleurs spéciales, mais moi, j'aime bien. Bon, ça fait pas trop avec la poubelle sur le côté, mais j'espère qu'ils la placeront mieux. Donc ici, on est sur la BMW. La BMW, ouf, ouais, on l'a acheté cher, hein, ça. 84, je vais la mettre à 120 000. On va dire que c'est pas le prix d'une BMW. Ça dépend les modèles, mais pas sur ce modèle-là, je pense. Alors, on va prendre la TT, on va la mettre en réparation. Il y a de la réparation, bien sûr, elle est endommagée. Démarrage. Voilà. Alors, c'est parti pour les petites réparations. Là, je vais juste regarder. Ah, je l'ai mis de l'essence, c'est pas grave. Peinture, par contre. Ah bon, ça, il devait être peint. Ok. On va le peindre. On va devoir aller faire dodo. Alors les journées passent vite, hein, par contre. Oh, je me suis pas arrêté, moi. Ok, donc là, on va laisser ben, la voiture là-bas. On va aller faire un petit dodo. Quoi ça? Allez, je te donne une petite pièce. Donnez une petite pièce au monsieur. Alors, point de compétent, j'en ai qu'un seul. Et là, il m'en faut combien? 2. Donc pour le moment, on attend. Direction le dodo. . 96 000. C'est bon ça. Après j'ai fait des bons bénéfices. Même si j'arrive à vendre l'autre là, j'aurai un bon bénéfice quoi. Ah je suis tenté hein. J'aurais pu acheter des voitures hein. J'avais dit qu'on allait regarder pour le bureau avant. Donc là celle-ci part à la vente. Elle est déjà de toute façon. Toi, tu viens là, hop. Toi, je prends canette. Alors, il faut être au millimètre près. Voilà. On va aller peindre le van. En pareil, le van, on va essayer de lui mettre des options. Hein. Rouge. Donc là, on pourrait le mettre rouge. Les jantes sont un peu moches, donc on va lui mettre une paire de jantes. Alors, on va tout mettre. On va pas mettre suspension course. Par contre, je vais baisser les amortisseurs. Lumière rouge, bien sûr. Voilà. Et les roues. Celle-ci en blanc, c'est pas mal. Comme ça. Il est déjà beaucoup plus beau. Allez. Il y a du monde sur la voiture. Allez, hop. Il est propre. Franchement, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je le trouve super propre comme ça. Alors, vous êtes intéressé par la VM. Non négociable. Je te la vends pas. Pourtant, elle m'a proposé un bon truc. 117. 112, je te la vends pas. En 13, je te la vends pas aussi. Alors.
Un nettoyage. Ah, c'est bon, ouais, donc là, on part à la photo. Hop. Moi, je recule. Et deux fois, c'est pas grave. Donc, ici, hop. C'est celui-là. Donc là, on est à 40 000, plus 5 000, 45 000, et mettre 80. Ah, bien. Donc là, il me reste l'audit TT. On va aller voir. Alors, pour le moment, il n'y a pas d'acheteur. Donc, on va aller voir l'audit TT. Ce qu'on peut faire dessus. Alors, voiture. Je veux savoir. Peinture, bien sûr. Non. Ah, beau bleu comme ça. Alors, elle a déjà un turbo, amortisseur basse. Lumière bleue. Tac. Oh, je sais pas. Non, pas mettre de plaque. Les roues, bah, ça va, je trouve qu'elles sont propres, celles-là. Alors, on va faire un peu un délire. Allez. On va faire ça pour moi. Allez, pour le délire. Ça va peut-être intéresser quelqu'un. Intéressé par le van. Cinquante-six mille. Je garde ta proposition sur le côté. 57 000. Il me revient à combien celui-là déjà? Et je me rappelle. 45 000. 57 000, je peux te le vendre. Pour ça, c'est sûr et certain que c'est quelque chose que j'aurais pas fait un gros gros bénéfice. Donc, et bon, alors la BMW, bon, on verra bien. Nettoyage. Donc là, on est à 233 000. À savoir que j'ai quasi 100K qui dort avec la BM. Donc, je pense qu'il y aura moyen de pouvoir agrandir. Alors, on en propose 100 000. Bah non, bah, je vais attendre pour voir qui propose de mieux. 111 000. Tout à l'heure, la femme m'avait proposé 117 000. Bon, après, je suis pas pressé de la vendre pour moi. Après, je peux toujours négocier 117. Ça va bien, hein. Ah ben voilà. Pourquoi se casser la tête? Donc là j'ai 350 000. Largement assez. On va pouvoir faire l'agrandissement. Alors l'agrandissement est à 200K, hein, mais je voulais vraiment avoir un peu plus d'argent. Donc ça, on peut enlever les photos. Hop, 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 hop. Voilà. On va refaire la caméra. Alors là, la voiture, par contre, elle a des couleurs un peu bizarres. Ça c'est bon. Hop. Photo. Donc on a la dernière voiture à vendre. On l'a mis à 19 000, donc 19 000, on va la mettre à 26. 26 000. Ils en vendent. Ouais. 26 000 là.
C'est parti. Donc, ben là, on a 350 000, donc on va pouvoir acheter. Alors, on va aller sur la tablette. On va aller ici. On va aller dans amélioration. Et là, vous voyez, on a l'amélioration. Donc, on avait fait le premier agrandissement. Là, on va faire le deuxième agrandissement. Et après, il faudra 750 pour le troisième. Et après, on a le remorquage à 7500 qu'on va pouvoir rajouter. Voilà, c'est parti. On a agrandi. Là, j'ai combien? Hop, j'ai un nouvel emplacement. Donc ça veut dire que là, je peux prendre plus de véhicules. Maintenant, j'ai deux emplacements. Et hop, pas mal. J'ai une grande, grande place maintenant. Là, vous pouvez aller toujours à la même place, mais voilà, j'ai une grande place. Là, j'ai que 142 000 sur moi. La vente aux enchères commencera à 1 h PM. Elle est en train de se faire. Donc je ne pourrais pas acheter de véhicule. Et en plus, à 140 000, je préfère attendre. Ce véhicule-là, on sera bon. Donc là, on est dans l'après-midi. On va attendre de voir si on arrive à vendre ce véhicule-là. Et le reste, c'est bon. Franchement, c'est stylé déjà que c'est grand comme ça. D'habitude, on galère un petit peu. Et donc, on aura un troisième agrandissement, normalement. Ici, donc le troisième agrandissement va comprendre quoi? Ah, encore plus de voitures. Ok. J'ai vu qu'il y avait un truc aussi, c'était de la sécurité ou quoi. Il faudrait que je regarde. Donc là, c'était pas là. Décoration. Donc là, c'est la décoration du garage intérieur, extérieur. Donc c'est pas ça. Et okay, je regarde ici. Classement. Oh, hop. Non, c'est mon idée banque. Le nombre de factures que je dois payer, j'en ai pas. Ben non, dans l'amélioration, normalement, on était censé en avoir des autres là. On pouvait mettre des choses pour pas que on vole dans notre garage. Bon, allez, hop, on va aller direction acheter des véhicules. On va essayer d'acheter pas mal de véhicules déjà. La petite Abarth peut se vendre pas mal. En plus, elle est quasi faite. Avec les gros jantes et tout. Donc, elle est déjà faite. Donc là, elle a 17 000 négociés. On va faire 10. Un 11. Allez, madame. Tu m'as dit combien? 17? On va mettre 13 000. Regardez, mais je pense que... Ouais, 17. On va mettre 13. Allez, je vais pas au-dessus. Tu vas pas... Je perds mon sang-froid. Comment elle voulait négocier? Alors, ce véhicule-là va partir au pont. Ça là-bas, peut-être. Jamais acheté. Alors, est-ce que ça vaut cher ou pas? 44 000. Alors, je vais faire des prix de barbare. Hein. Ça passe, ça passe, ça passe pas, c'est pas grave. Ah, ouais, je m'en doutais. 44, je passe à 35. Je vais mettre 39 000. Ça pourrait passer. Et go. Ok, on va quand même garder un peu d'argent pour restaurer. Hein. On va aller voir là-bas. Ah bien, mal roule. Intéresse pas tout ça. On va reprendre une petite Abarth. Elle se vend assez facilement. 14 000. Pas avec ça qu'on va être riche, mais on peut le faire. Oh là là. Tu me la vends pas, je la prends pas, dans tous les cas. Hein. Je veux dire. C'est les petites voitures qui sont pas chères.
J'ai rien dit, 63 000, ça se vend quand même assez cher. Alors là, il y a un véhicule là-bas, c'est quoi? Une BMW, ça peut être intéressant. Donc, combien? 8 000. Ah, j'abuse pas, hein. Il a chipoté pour 500 balles. Il a chipoté. Là, le problème, c'est que maintenant, il n'y a plus de voiture à vendre. Il faut que je remonte tout pour aller directement dormir à ma maison. Mais je peux pas couper en plus dans les jardins. Donc là, il me reste 67 000. Je vais peut-être prendre un véhicule demain pour retourner là-bas. Je sais pas, on verra. À moins que j'en ai un pas cher. Hein. Ma maison, elle est là. On y va. Alors là, je vais être en déficit. Ah non, 99 000. C'est-à-dire que j'allais être en déficit puisque j'ai acheté le garage, mais non, c'est bon. T'as pris en compte. Et go. Quoi comme voiture ça? J'ai essayé d'acheter tout à l'heure et que c'était cher, non? 26, ouais, on peut négocier à 20. Voilà. On a négocié, on a reçu. Quand on passe comme ça, après on voit une belle bagnole. Voilà, pour l'instant, non. Ah, ben j'ai bien fait. Ah, il y a un trampoline, un tremplin, un trampoline, un tremplin en face, mais osez le prendre. Je sais pas où ça amène. Ah, le marché d'automobile est ouvert. Wow. Record de drift. Ouais, de toute façon, marché d'automobile pour le moment, j'ai passé la vente. Attention, attention. Ah, attention. Allez, on est parti. Donc, hop, hop, on va réparer tout ça. Pas de problème. Faire ça parce que sinon j'aurais pas beaucoup de. Ah, pas mal ça. Ça, c'est des bons plans parce qu'il n'y a pas grand chose à faire sur la voiture. Là, j'ai toute la place que je veux. Par contre, les saletés automatiquement elles sont plus loin. Hein. Là c'est bon, ah, on va peut-être venir voir pour la Audi. Non, bah de toute façon la télé n'est pas en vente. Alors, 26 000. Ah bah je la reprends.
Bah, tant mieux, merci beaucoup. Désolé, monsieur. Merde, j'allais dire que c'est pas une BM, merci. Alors, niveau réparation, il y a quoi ça? Elle a du dommage. Donc, celle-là va partir en réparation. Je vais aller vite chez chercher l'autre. Alors, celle-là, pareil, réparation ou pas? Il y a 5%, pardon. Mais bon. Je ne vends pas de voiture défaillante. Ah, par contre, celle-là, elle part en jante et tout. Obligatoire. Alors, celle-ci, elle est propre. Je vais juste regarder si des fois on a besoin de ouais, lui refaire une petite peinture. Une voiture qu'on va mettre un peu violet rose, on va dire. Donc là, les jantes et tout. Est-ce qu'elle a toutes les options? Suspension rabaissée. Les roues, par contre, j'ai pas besoin de les changer, elles sont top. Voilà, on va faire une note technique, on va pas les mettre à vendre tout de suite, je vais les mettre à vendre dans la prochaine vidéo. Là, je vais les préparer et on fera la vente dans la prochaine vidéo. Donc là, c'est réparé. T'as tout bien réparé, monsieur? Ouais. À mon avis, il y a un problème de peinture. Bingo. Problème de peinture. Ah, des moments, c'est plus pour choisir les couleurs que c'est un peu chiant. Des voitures qu'on peut mettre avec des belles couleurs, des voitures moins. Un full black, ouais. Il y a même un léger vert dessus. On va la rabaisser. Kit, ouais. Ah, suspension rabaissée, bien sûr. Voilà, là c'est bien. Lumière, on va laisser fort blanc. Et les roues, peut-être changer. Ouais, ça c'est bon. Comme ça. Un petit full black quand même. Oh. Ça dérape. Je l'ai touché. Voilà, on va faire les deux dernières. Et donc, vous saurez dans la prochaine vidéo combien j'ai vendu ces voitures-là. Petite réparation. Ah, même celle-ci, elle va aller super vite la réparation. En balle. Alors celle-là, je pense que je vais la laisser sur cette couleur-là. On va juste changer les jantes, on va mettre des jantes un peu plus propres. Alors, il y en a une qui est terminée, celle-ci. Donc, peinture.
On va déjà la sortir. Le mécano va pouvoir travailler. Je pense que je vais devoir lui faire une peinture, je pense. Là où j'ai mis l'essence. Ouais, peinture 20%. Alors souvent, moi, je me base sur 10%. Donc, dès qu'elle est à plus de 10%, je la peins obligatoire. Si elle a moins, je laisse tomber. Donc, la couleur d'usine. C'est-à-dire, hop. Valider. Donc là, on laisse la couleur d'usine. Par contre, on va changer les jantes, bien sûr. Je vais mettre un kit complet. Changer les jantes. Kit course. Rabaisser, bien sûr. Lumière un peu dans les tons marron, comme ça. Voilà. Stylé, non? Ah, elle est rouge, elle est. Les roues, on va mettre des trucs un peu bizarres. J'entends toi, non? Poche. Ah, celle-là. Ah, c'est bon. Ah, il est pas passé loin. Donc là, elles sont quasi prêtes. Il en manque une. Allez, on y va. Ah, s'il a fait blanc. Blanche avec les jambes blanches. Je vais le faire, non? Bon, elle est sale, hein. Une course. Attention bien en bas. Lumière bien blanche. Les roues, je laisse cela. Alors, je vais pas les nettoyer parce que dans la prochaine sauvegarde. Elles vont redevenir sales, donc on les nettoiera au moment de les vendre. Oh, doucement, doucement. Voilà. Les appuis. Hop, on l'éteint. Donc voilà, là, dans la prochaine vidéo, on va devoir vendre tous ces véhicules-là et essayer de reprendre, récupérer le prix de l'agrandissement du garage. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là. N'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires, partager tout bleu. Je vous dis ciao, ciao. C'était Jérôme FPS. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo-là, donc n'hésitez pas à cliquer sur « Abonnez-vous » et cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir les prochaines notifications. Donc, si vous aimez cette chaîne, vous aurez deux vidéos à votre disponibilité, soit la vidéo droite, soit la vidéo de gauche. Mais si vous aimez vraiment la chaîne, il y en a énormément et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à continuer à regarder cette chaîne. Je vous remercie, bonne journée.